Allez, dos à dos avec vous et des réponses du tac au tac. Est-ce que vous aimeriez être un bad boy? Pas spécialement. Est-ce que vous préférez mordre ou être mordu? Mordre. Ah ouais, non, il n'y a pas de doute. Le mot d'amour le plus sensuel, le plus érotique? Bisous. Ah ouais, ouais, quand même. Votre dernier acte de lâcheté? Mon acte de lâcheté, discuter un point au tennis contre mon meilleur pote alors que j'avais un petit doute quand même sur ce que j'avançais. Mauvais joueur? Non, non, mais très joueur. Donc bon perdant, mais je lâche rien jusqu'à la dernière seconde quoi. Ah ouais, Trump quoi. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous ne vous droguez pas, à quoi êtes-vous addict hein? FIFA, ouais FIFA et puis... Non, en fait, je suis addict déjà très facilement à beaucoup de choses. C'est pour ça que je me tiens éloigné de pas mal de trucs, c'est que je sais que je peux m'enfermer dans une sale spirale. Est-ce que vous aimeriez être américain aujourd'hui? Non, alors franchement, mais pas hier non plus. Hein. Quelle est votre part de féminité? Ma voix, peut-être. Je sais pas. Il paraît que j'ai un truc assez haut perché. Avec qui vous aimeriez rester bloqué dans un ascenseur? Jacques Brel. Ah, Jacques Brel, si je pouvais rester longtemps à discuter avec lui, on parlerait de plein de trucs, même pas de musique, je suis sûr, mais on parlerait de plein de trucs. Qui vous surnomme Néné le charcutier? Mes refs, mes trois frères. Mes trois frères et mes parents. À la base, ça vient de mes parents, quand même, faut dire la vérité. Et il n'y a pas une chanson? Connaissez-vous Néné le charcutier qui vend des saucisses plates et des boudins carrés? Mais pourquoi je chante ça à clic? Je suis pas du tout venu pour ça. Merci bien, merci Catherine Sellac, c'était le dos à dos.